États-Unis, l'incendie Car Fire fait un septième mort en Californie. Un camion de pompiers sur une route menacée par les flammes près de Mendocino, en Californie, le 31 juillet 2018. Reuters, Fred Greaves. L'État de Californie est en proie à de nombreux incendies ces derniers jours. Le plus gros d'entre eux a fait jusqu'ici 7 victimes. Au nord de San Francisco, les feux de forêt couvrent une superficie équivalente aux 2/3 de celle de Los Angeles et les pompiers peinent à les maîtriser. Le vaste incendie Car Fire, l'un des plus destructeurs dans l'histoire de la Californie, a fait samedi un septième mort dans le nord de cet état. L'incendie a détruit près de 51 000 hectares depuis son départ le 23 juillet à la suite de la défaillance mécanique d'un véhicule. Deux autres incendies, qui font rage dans les comtés de Mendocino, Lake et Colusa à 145 km au nord de San Francisco, ont progressé fortement au cours des dernières heures et avaient parcouru à la date de samedi matin 81 500 hectares. Les pompiers ne les maîtrisaient qu'à 34%. Le feu de Mendocino touche désormais 62 000 hectares. Il a déjà détruit 88 bâtiments et entraîné l'évacuation de 14 000 habitants. Cette année, les incendies ont dévasté plus de terrain que d'ordinaire durant la période des feux, a déclaré Ken Pimlott, directeur de Cal Fire California Department of Forestry and Fire Protection, samedi 4 août lors d'une conférence de presse. La saison des feux vient juste de commencer. Nous avons l'impression d'être au pic de la saison, alors qu'en fait c'est la situation que nous avons au début de la saison, dit-il. Le gouverneur de Californie, Jerry Brown, s'est rendu samedi sur certains sites en proie aux flammes, et a déclaré que « cela participe d'une tendance, qui va devenir la nouvelle normalité, avec laquelle il faudra apprendre à vivre ». Les feux de Mendocino couvrent l'équivalent de plus des 2/3 de la superficie de Los Angeles. Ils ont entraîné l'évacuation de plus de 20 000 habitants et détruit plus de 100 bâtiments. De nouvelles évacuations ont été ordonnées samedi après-midi.